2, 3, 4. Bienvenue dans ce nouveau tutoriel, une chanson de Offenbach, Jerry Boulette, si vous aimez mieux, toujours vivant. Donc, cette chanson est classique de la chanson québécoise. Aujourd'hui, ce que je voulais vous montrer, c'est le fameux B. Donc, c'est une chanson assez débutante, mais le B n'est pas nécessairement facile à faire quand vous êtes débutant. Donc, c'est une chanson idéale pour commencer à l'apprendre, pas trop de changements d'accords. Puis aussi, je vais vous montrer les suspendus 4. Je vous montre ça. Donc, c'est parti. La rythmique, une rythmique populaire. Donc, installez-vous sur le E. Et tout d'abord, si vous voulez avoir accès à cette partition, faites-en la demande sur mon site web. Vous m'envoyez votre courriel. Je vous envoie un lien Dropbox. Vous allez avoir accès non seulement à cette partition, mais à des centaines de partitions. Puis, si vous aimez cette vidéo, abonnez-vous. Cliquez sur j'aime, c'est tout à fait gratuit et il y a des heures de plaisir et d'apprentissage sur ma chaîne. C'est parti! Donc comme je disais, E. L'accord de base et on fait la rythmique populaire. Ba, ba, ba. Moi je joue sans pic, mais vous jouez avec un pic sans problème. Pratiquez. Si vous ne connaissez pas cette rythmique, si vous n'avez jamais joué cette rythmique, commencez très lentement. Si vous êtes un petit peu plus avancé, avancez la vidéo. Et une fois que vous maîtrisez la rythmique, on reste à cette vitesse. Vous pouvez accélérer un petit peu plus si vous voulez, ça, il n'y a aucun problème. Et on commence à chanter. Deux accords E et B. Je vous montre à faire le B à l'instant. Le B, comment qu'on fait ça? Le B, là, c'est comme si je faisais un A, mais en ajoutant un capot à la case 2. OK? Donc, c'est comme si je prenais mon doigt ici et je le glisse de deux cases et j'ajoute mon doigt, je fais un bar. Bon. Il y a certains guitaristes qui vont vous le montrer comme ça. C'est tout à fait correct. Moi, je trouve que mes doigts, ils rentrent mal, les trois collés comme ça. Donc, j'aime mieux le faire comme ça ici. Il y a des gens, des fois, sont pas peut-être pas assez souples dans ce doigt-là. Faites-le comme vous voulez, sans problème. Moi, j'aime ça le faire comme ça. Donc, puis je viens pas, quand je fais mon barré, je viens pas pincer la sixième corde. Mon doigt, il est juste un petit peu en dessous. Puis même, il touche à la sixième corde pour la muter. Donc, ça sonne pas. Puis même la première corde ne sonne pas non plus. Donc juste quatre cordes qui sonnent. Puis ce doigt-ci, assurez-vous de le mettre sur le bord de la frette, non au centre de la case, non au début, sur le bord de la frette qui est vers la rosette. OK? Accord pas facile, mais comme je vous dis, c'est une chanson idéale pour le pratiquer parce qu'on a juste à faire E.
ça. On retourne sur la E. B. E. Dans le fond, la meilleure chanson, comme je vous disais, pour pratiquer le B. Ensuite, je vous montre les sus-4, les suspendus quatrième de la gamme. Donc, vous n'avez pas à savoir les notes de la quatrième sur la gamme. Je vous montre qu'est-ce que vous pouvez faire avec les accords. Bon, avec le B, on s'installe en B. Pas facile, on vient chercher case 5, quatrième, case 5, deuxième corde. OK? Ça, c'est pas facile. Je suis conscient. Ensuite, on fait E. Puis, même encore avec le petit doigt, on vient chercher ici, cette fois-ci, la troisième corde, deuxième corde. Donc, je suis celui qui marche dans le bonheur en âge, dans l'amour le château, dans la vie le bafou, toujours vivant. Excusez. Toujours vivant. Je suis celui qui garde la main. Donc, c'est un bel ajout pour cette chanson-là, pour cette phrase-là. C'est pratiquer ça. Toujours vivant, je suis celui qui garde en avant. Très fun à jouer. OK? Ensuite, on continue. Je suis celui qui vit dans la vie le plus. Je retombe sur mes pas, les pieds dans la garlotte. Toujours vivant, je suis celui qui va jusqu'au bout. OK, refrain. Je suis celui qui frappe. A et E. Deuxième phrase encore, G. Dedans la vie, A, à grand coup d'amour, B7. Au lieu de faire le B comme ça, on vient faire le B en septième. Pour le faire ici. OK? Donc, comme je vous disais, les suspendus 4, c'est quelque chose qui est quand même agréable à jouer, que des fois je vais venir jouer. Par exemple, comme ci là. Donc ici, que je fais E majeur, puis je viens chercher la quatrième. Fait que je fais la même chose qu'ici. OK? Donc, je fais E avec la quatrième. Je fais D et A. Donc, je peux le faire comme ça. Donc, même shake ici. Vous pouvez le pratiquer un petit peu plus haut sur la manche. Puis, faire avec le E majeur ici. OK? Donc, un nom
différentes manières de le pratiquer. Comme je vous disais, ça ici on vient chercher la quatrième, et quand on fait cette shape-là aussi avec le E, on peut le faire de cette manière ici aussi. Donc, c'était une chanson de Jerry Boulet. Il y a du pain sur la planche. Si vous êtes débutant, on commence par jouer le E, B, au refrain G, A, E, et le B septième. Puis ensuite, on peut ajouter les suspendus 4 sans problème. Puis amusez-vous avec tout ça. Donc, les chers guitaristes, on se revoit pour un prochain tutoriel. OK, bye bye.